Les gars, c'est Bouzard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour 6 anecdotes sur Triarch. Quelque chose de peu commun puisque j'ai jamais vu de vidéo sortir là-dessus. J'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer d'envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires comme CodeCF, CodeQG, PlagueTV et plein de petites chaînes que j'ai pas encore citées. Merci à vous les gars si vous m'uploadez. Pour ce gameplay, on se retrouve sur la map Inquirium à la Razorback sur Black Ops 3. C'est une nuque express qui vient de Magic76, chez lui. Je mettrai ta chaîne dans la description, Magic, sans pression, sans caleçon, et on se retrouve pour les 6 anecdotes sur Triarch. La première chose à savoir, c'est que Triarch a été créé en 1996 par Peter Ackerman et Dogan Koslu à Santa Monica. D'ailleurs, Triarch réside toujours à Santa Monica, ça m'étonne pas car c'est une très belle ville. La deuxième chose à savoir sur Triarch, c'est qu'ils ont développé le jeu Spider-Man en 2002 sur GameCube, PS2, etc. Donc ça peut paraître un peu bizarre, tout simplement parce qu'on a l'habitude qu'ils créent ou développent des gros jeux comme les Black Ops qu'on connaît en ce moment. Mais voilà, c'est plutôt what the fuck et très amusant à savoir sur Triarch. La troisième chose à savoir sur Triarch, c'est qu'en 2010, il bat le record du nombre de ventes d'un jeu vidéo lors de son premier jour de sortie avec 310 millions de dollars de ventes grâce au jeu Call of Duty Black Ops. Et ça, c'est vraiment surprenant, mais pas étonnant puisque... tout simplement, Black Ops a été un jeu qui a été très bien apprécié par la communauté. Bon, pas à ses débuts, mais ça a été un jeu très bien apprécié. La quatrième chose à savoir sur Triarch, c'est qu'il compte actuellement 250 employés. Donc moi, ça m'est paru un peu surprenant de savoir ça. Moi, je croyais que c'était au moins, je sais pas, 300-400. Mais bon, tant qu'ils nous font des bons jeux, moi ça me va. Et puis on passe à la cinquième anecdote. La cinquième chose à savoir, c'est que Triarch s'est occupé de développer Call of Duty Modern Warfare 3 sur Wii. Donc ça m'est paru un peu surprenant puisque c'est un peu les rivaux actuels. Mais bon, on peut voir que les rivaux cèdent. Mais on a besoin de ça pour faire de bons jeux. Merci les gars. Et la dernière chose à savoir sur Triarch, c'est qu'en 2012, ils sortent Call of Duty Black Ops 2 qui bat tous les records de vente avec 500 millions de dollars en 24 heures et 1 milliard de dollars en exactement 15 jours, devenant l'œuvre de divertissement le plus rentable de tous les temps. Jusqu'à la sortie de Grand Theft Auto 5 malheureusement. Mais c'est vrai que moi ça m'a paru, excusez-moi, très surprenant les chiffres, tout simplement parce que je savais que Black Ops 2 allait envoyer du pâté. Et j'ai pas été déçu. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur Triarch. J'espère que les chaînes communautaires vont m'upload. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne, liker, partager, commenter, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, peace les gens.